À l'entrée en scène des Expos en 1969, les amateurs de baseball de Montréal vivaient au rythme des Royaux. Club école des Pirates de Pittsburgh et ensuite des Dodgers de Brooklyn, les Royaux ont existé de 1928 à 1960. Plusieurs grandes vedettes des Dodgers sont passées par Montréal. Duke Snider, Don Drysdale, Tommy Lasorda et bien sûr, Jackie Robinson. Avant de devenir le premier joueur de race noire à évoluer dans les ligues majeures avec les Dodgers de Brooklyn en 1947, Robinson a joué à Montréal en 1946 et il avait mené les Royaux à la conquête de la petite série mondiale. Montréal, fin des années 60. Une ville en pleine effervescence. Plus que jamais, elle porte son titre de métropole. À l'été 67, les yeux du monde entier sont rivés sur Montréal. L'exposition universelle de Terre des Hommes permet à la ville de se joindre au rang des grandes villes mondiales. À la suite du retentissant succès d'Expo 67, le maire Jean Drapeau a un autre projet en tête. Il veut doter Montréal d'une équipe du baseball majeur. C'est le vice-président du comité exécutif de la ville, Jerry Snider, qui obtient le mandat de convaincre les dirigeants du baseball majeur que Montréal a bel et bien sa place dans les grandes ligues. Le maire l'avait délégué pour obtenir une franchise. Puis c'était un politicien, puis c'était un bon vendeur, puis il a vendu sa salade. Quand il est parti pour le meeting à Chicago, au mois de mai, partisan de Montréal, il avait été, je pense, peut-être... Fernand Libouéron, je pense, puis peut-être Jerry Champagne de la presse, mais personne ne croyait à ça. Et puis lui, il avait fait un sur papier un bureau de direction fantôme, Charles Rothman, des gros noms, le Jean-Louis Lévesque dans le temps, puis il a fait une... Mais il les avait consultés avant. Il dit, je m'en vais, là, chercher une... Je peux-tu mentionner vos noms, quand même? Les gars, ils ont tout dit oui, parce qu'ils étaient sûrs que ça n'arrivera pas. Fait que le soir du 28 mai, il a annoncé à la radio à 11h que Montréal avait eu une franchise. La plus grande surprise au monde, c'est que Montréal a eu une franchise. Une franchise parce que personne s'en attendait. Quand on parle de surprise, déjà, le maire Drapeau dit, on va aller chercher, on va y aller. Mais il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de stade, il n'y avait même pas de propriétaire, puis il a vendu sa sauce. Faut le faire, là. T'as absolument rien, puis il a convaincu les dirigeants du baseball majeur. Montréal, c'est une grande ville. Ma ville. Peut-être en arrière de notre tête, c'est-à-dire, il peut peut-être avoir un débouché maintenant pour les joueurs québécois. Tu sais qu'avant, je veux dire, on regardait ça de très, très loin. Puis là, on se disait, bien, on a une équipe à Montréal, donc ils vont peut-être prendre un peu plus de talent local. Mais c'était surtout de voir du baseball professionnel à Montréal. C'était fantastique. Puis là, Snyder, il venait à Montréal avec sa franchise dans ses poches. Et puis, il est allé voir tout le monde. Et puis là, Brofman, il savait plus quoi faire. Ça fait que finalement, là, ça a bien branlé dans le manche tellement qu'on t'a rendu au mois d'août puis ça avance à pas. Fait que là, il a envoyé John McHale, qui travaillait au bureau du commissaire. Le commissaire l'a envoyé pour voir qu'est-ce qui se passait. Puis finalement, là, on est venu à un fil de perdre notre franchise. Réellement, là, c'était une question de jour. Le maire Drapeau et Jerry Snider avait seulement obtenu une promesse verbale de 10 actionnaires. L'un d'entre eux était Charles Bronfman, qui était venu bien près d'abandonner l'aventure lorsque deux autres hommes d'affaires se sont retirés du dossier. Mais le maire Drapeau a convaincu M. Bronfman de rester. Et il a trouvé deux autres actionnaires québécois, les frères Paul et Charlemagne Baudry. C'est finalement le 14 août 1968, lors d'une conférence de presse à l'Hôtel Windsor, que les actionnaires montréalais ont remis un premier versement de 1 120 000 $ américains au président de la Ligue nationale, Warren Giles. Quelques semaines plus tard, on dévoilait le logo ainsi que le nom de l'équipe. John McHale était nommé président, Jim Fanning, directeur gérant, et Gene Mark, premier gérant de l'histoire de l'équipe. À l'équipe, je sais que tous nos concitoyens ont un esprit sportif assez grand pour savoir que ce qui compte pour le moment, c'est de savoir, d'avoir cette satisfaction, de savoir que tous les plus grands joueurs de baseball au monde
viendront jouer à Montréal. Il fallait maintenant bâtir une équipe. C'est lors du repêchage d'expansion le 14 octobre 1968 que furent connus les premiers Expos. Le premier choix du club fut un voltigeur des Pirates de Pittsburgh, Manny Mota. Vinrent ensuite le voltigeur Mac Jones des Reds de Cincinnati et le receveur John Bateman des Astros de Houston. Malgré les 30 joueurs sélectionnés, les Expos étaient toujours à la recherche d'un joueur vedette et à l'aube du premier camp d'entraînement, un nouveau venu allait changer le visage du club. En 1968, durant l'hiver, Jean-Pierre Roy, Ronald Piché puis moi, on vendait des billets de saison puis des billets pour la saison 69 pour les Expos. Puis là, à un moment donné, vers 9h le matin, un lundi matin, Jim Fanning, il arrive, il me tape sur l'épaule, il dit « Hey, il dit, si on pouvait obtenir Rusty Staub, est-ce que... Qu'est-ce que tu penses de ça? » Ben, il dit « T'es fou, toi, Rusty Staub, c'est comme... À Houston, c'est comme Maurice Richard à Montréal. Tu peux pas échanger ce gars-là. » Il dit « Je te dis, j'ai des chances de l'avoir. » Là, j'ai dit « Pour qui? » Ben, il dit « On a un paquet de gars qu'on a repêché. » Il dit « Je le sais pas encore. » Mais il dit « Je vais essayer de l'avoir. » Ben, il dit « Si tu fais ça, là, tu vas avoir un gros coup de chapeau de tout le monde parce que c'est une grande, grande vedette. » C'est le 22 janvier 69 que les efforts de Jim Fanning furent récompensés. Il mit la main sur Rusty Staub en retour de Don Clendenon et Ezo Salou. Ce fut toutefois une transaction fort controversée, car Clendenon refusa de se rapporter aux Astros. Le commissaire du baseball, Bowie Kuhn, dut donc intervenir. Il fut donc convenu que les Expos cédaient les lanceurs Jack Billingham et Skip Gwynn aux Astros, en retour de deux autres artilleurs, Howie Reed et Steve Shea. À la fin de ce premier camp d'entraînement à West Palm Beach, en Floride, les Expos firent un arrêt à Montréal. Un défilé avait été organisé et c'est en grande pompe que les joueurs eurent leur premier contact avec leurs nouveaux partisans. Plus de 100 000 personnes s'étaient déplacées dans les rues de la ville pour découvrir cette première édition des Expos. Et le lendemain, le 8 avril, ils se rendaient à New York pour le premier match de l'histoire. J'étais là. Écoute bien, il fallait que j'y aille. Je me suis rendu au premier match. C'était encore une fois... Moi, j'avais vécu les Royaux. Okay? Alors, il y a une espèce de 1960 à 69 qui n'avait pas de baseball professionnel à Montréal. Et quand je suis arrivé au Stade Chief, j'ai vu les Expos. J'y croyais pas. J'étais pas capable de me rentrer dans la tête que Montréal avait une équipe majeure. J'étais pas capable. Il y avait du Dignitaire, puis Mère Drapeau-Talla, puis Brofman, puis un tas de Jerry Snyder, puis un tas de gens. Puis finalement, on avait gagné. De peine et misère, ça ressemblait à un match de la Ligue des Pamplemousses. C'est au vétéran Jim Mudcat Grant qu'est revenu l'honneur d'être le lanceur partant de ce match inaugural. Un autre lanceur, Dan McGinn, a réussi le tout premier circuit de l'histoire des Expos aux dépens de Tom Seaver. Bob Bailey a obtenu le premier coup sûr, ainsi que le premier point produit, tandis que Coco LaBoy et Rusty Staub ont également frappé des circuits, alors que les Expos disposaient des Mets 11 à 10.